Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai légèrement modifié quelque chose. J'ai rajouté en fait deux petits ailerons ici et deux petits thrusters ici. C'est simplement ça, hein, c'est juste ça. Et on va aller en arène de combat le tester, ce fameux robot qui apparemment a fait l'unanimité. Donc, dans cette mise à jour, on peut aussi faire. Un acte de charité, on va dire, dans cette mise à jour, en jouant tout simplement un certain nombre de parties, vous faites gagner de l'argent. Donc, pour l'instant, je fais une arène de combat pour le principe, et ensuite, on va partir dans ce mode de jeu pour essayer de voir si cette demoiselle peut gagner de l'argent. Je connais pas du tout le principe, mais bon, j'imagine que si elle a besoin d'être aidée, ce n'est pas pour rien, même si malheureusement, ça arrive que des gens abusent de cet état de fait. Alors. C'est l'heure du duel. Non, du test, chers amis, du test pour voir si le robot est effectivement efficace ou pas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu réduit la glisse du vaisseau. Enfin, la glisse du robot, plutôt, dirons-nous. Oula. Hop. Raté. Et comme vous pouvez le voir, il est assez efficace. Hein. Je sais pas si j'ai touché quoi que ce soit. Apparemment non. T'es sérieux là? Hop! Ah la vache, regardez, il savait qu'en étant dans cette bulle là. Ah la vache! Vite Marcus! Hop! Tu t'as pu te sauver comme ça? Voilà! On va se régénérer un petit coup. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit en mode bombardier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il tire vers le sol. Vous avez pu voir que quand je tire tout droit, il tire un petit peu dans les hélices en fait. Tout simplement. Ce qui fait que du coup, on a énormément de retard sur le reste de l'équipe. On est encore niveau 1, nous. Là, ça ne va plus. Oh la vache! Mais il me pète les couilles celui-là. Il fait que ça. Est-ce que je peux avoir un coup de main, s'il vous plaît? Merci. Ok. Ah la vache. Donc vous pouvez voir qu'il est assez solide hein, finalement. Même si j'ai véritablement pas de bol. Ah la vache. Je suis mauvais. Je suis complètement mauvais. Ok. Ok. Voilà. Ok. Et vas-y, tombe, qu'on rigole. Voilà. Donc il est assez efficace, comme vous pouvez le voir, chers amis. Hein. Moi, je ne m'en plains pas.
Et vous voyez qu'il plane légèrement aussi, hein. Donc ça, j'ai pas encore trop compris pourquoi qu'il plane, je veux dire, qu'il ne tombe pas bêtement. Ok. Hop. Hop. Voilà. On peut y aller. Par contre, il n'y a plus que ça. Hein. Franchement, les gens font plus que ça. Hein. On a bien compris que c'était le secret de Robocraft, chers amis. Hein, clairement. Hein. À partir du moment où on joue avec ce type d'arme, on gagne. En même temps, je vois qu'on a ça comme robot. C'est pas la fête. Hein. Ok. Crac. Allez, le reste. On y va. Ok. Oh la vache. Mais ça me pète les couilles, ça. Ah non. Ah oui, voilà, il m'a perdu de vue, merde. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Ça serait bien qu'on ait quelques mecs là-dessus. Quoi? Ça devrait pas pouvoir voler, c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Alors, vous pouvez voir qu'il vole quand même vraiment bien. De ce côté-là, il n'y a plus de soucis en termes de vol. Je m'en doutais. À part apprendre à viser. Crac. Allez, vas-y, je suis pas con, tu vas l'utiliser ton arme. Ok. Voilà. C'est pas comme si tu savais faire que ça. Ah, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. On a tellement de véhicules volants. Et bien sûr, je me fais toucher par des missiles invisibles, vous avez pu voir. Hein. C'est la fête. Ok, non, mais putain, mais tu me pètes les couilles, toi. Non, 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 ça c'est dégueulasse. Putain, mais regardez, y'a rien qui me touche. Y'a rien qui me touche. Ça me pète les couilles. Ça me pète les couilles. Le matchmaking est vraiment pourri de chez pourri. Et l'équilibrage des armes. Les armes sont tellement cheatées. Les armes sont tellement cheatées. Ok. Ah, c'est bon, on l'a eu. Bon, qu'est-ce qui me tire dessus? On va en perdre une, mais c'est pas grave. Voilà. Quand c'est tout ce qu'on sait faire, hein. Pourquoi s'en priver, si je puis dire. Hein. Hop. Pas pourquoi, mais. Je me dis que je vais être sauf. Voilà. Allez. Hop. Allez Marcus, on y retourne.
Ok. Finalement, je me demande si... Parce que là, en fait, pour la blague, chers amis, je vais vous expliquer. Là, actuellement, on est aujourd'hui, hein, on est jeudi. Bon, lui, il me touche avec des armes conventionnelles, donc ça me dérange pas trop. Voilà, ça, j'aime moins. Le blink devrait annuler le... l'autoguidage, clairement. Ok. Ça va être pour moi. Non, même pas. Oh, je suis étonné. Solide celui-là. Hein. Pas exagéré non plus. Boum. Ok. Ok. Parfait, il l'a eu. Oh la vache, il est solide aussi, hein. Ok. Ils l'ont eu. Raté. Parfait. Bon, qu'est-ce que vous en pensez du robot? Il est bon, hein? Putain, je suis le premier sur le surpris, hein. Honnêtement. Ah putain. Si seulement il n'y avait pas que ça comme ennemi en face. Alors, j'ai envie de savoir comment fonctionnent les missiles. Est-ce que c'est en fonction de là où se trouve l'adversaire? C'est-à-dire, si je suis à portée. Imaginons. Est-ce que si je peux me déplacer plus vite. Imaginons que je me déplace plus vite que le missile. Si l'ennemi arrive à me suivre, est-ce qu'il peut augmenter la portée de son missile? Ou est-ce que c'est en fonction de là où il est tiré? Ça, j'aimerais savoir. Ah, ça, je sais que vous savez faire, hein. Ok, on n'est pas trop mauvais. Hein. Boum. Salut Bruno. J'ai été concentré et je l'ai eu. Wouh, défaite en face. Pourquoi? Ils ont abandonné. C'est triste. C'est triste, c'est triste. Bon bah victoire d'équipe, hein. J'ai pas été très bon, mais j'ai pas été très mauvais non plus. Donc bah écoutez, c'est pas si mal. Ok. Donc oui, donc on est le même jour aujourd'hui, donc faut qu'on, entre guillemets, là il est, donc il doit être pas loin de 17h là je pense. 16h30 ? 16h26, il faut que je monte la vidéo et que je l'upload pour ce soir. Ça a plus du coup, plus du cul pardon. RC, c'est bon. Et j'ai un total de combien de vidéos à monter ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec la Robocraft. Ok, donc on en est à combien de temps ? 15 minutes, ah. Or, on a quoi? Un petit peu de rare. Et je vais vous montrer ce que je suis en train d'essayer de construire en ce moment. Un aéroglisseur. Mais un aéroglisseur propulsé comme une... Vous savez, comme un... Et donc, je sais pas où j'en étais d'ailleurs dans la construction. Voilà. Franchement... Je trouve ça pas mal et j'imagine plus ou moins déjà les armes que je vais mettre dessus, du coup ça va être rigolo. Moi je trouve ça pas mal. Donc voilà. Eh ben écoutez chers amis, du coup nous on va se laisser là je pense pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à pouce vériser les vidéos.
à vous abonner si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que je vais refaire un live peut-être demain après-midi. Cette fois, c'est presque sûr. Hein. Donc, ce sera vendredi après-midi pour le live. Et je vous dis à tout de suite. Enfin, à plus, chers amis, plutôt, pardon. Je vais pas en tourner d'autres. Allez, à plus.